Fédération Galactique, les étoiles vous appellent. Explorons le cosmos. La communion est une question de sentiment. Il s'agit d'être ensemble, même si l'on ne sait pas où l'on va ni ce que l'on fait. La communion, c'est partager son cœur et le faire ressentir à quelqu'un d'autre. La communion est un état d'être dans lequel deux personnes ou plus partagent une expérience qu'elles vivent ensemble. C'est la même chose qui se produit lorsque vous regardez les étoiles. Vous regardez un point dans l'espace, mais vous avez l'impression de regarder quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce n'est pas seulement une sensation, c'est une expérience. Les étoiles sont une source de lumière et d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. Elles sont souvent perçues comme belles, magiques, mystérieuses, voire mystiques. En vieillissant, nous nous déconnectons de la nature et notre lien avec le monde naturel diminue. Le soleil se couche et nous allons nous coucher. Mais lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous voyons des milliers d'étoiles qui s'étendent dans le ciel dans toutes les directions. Et il est facile d'oublier à quel point ces corps célestes sont spéciaux et ce qu'ils signifient pour nous en tant qu'êtres humains. Beaucoup de gens regardent des étoiles et se demandent pourquoi elles sont si nombreuses au même endroit. Pourquoi ne bougent-elles pas? Pourquoi ne disparaissent-elles pas? Où ne s'éteignent-elles pas? Sur quoi veulent-elles communiquer avec nous? Quel genre de vie y mène-t-on? La réponse se trouve dans notre propre système solaire, où il existe des milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles, chacune ayant ses propres caractéristiques et sa propre histoire. L'univers est immense et contient de nombreux types de galaxies de tailles, de formes et de couleurs différentes, que l'on peut observer depuis la Terre à l'aide de télescopes ou de jumelles comme celle de Célestron. Communiquer avec les étoiles est une chose très naturelle. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de spécial ou de créer des rituels ou quoi que ce soit d'autre. Il suffit de jeter un coup d'œil et de sentir les étoiles en silence. Comme vous pouvez le constater, il y a une sorte de communion et de communication. Le rythme de votre cœur commence à battre ensemble. Vous commencez à sentir le même cosmos. Vous commencez à ressentir le même frisson. Vous commencez à vous fondre l'un dans l'autre. C'est la communion. Je sais qu'il existe un lien entre moi et les étoiles. J'ai déjà ressenti ce lien et je suis sûr que c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera à l'avenir. Communiquer avec les étoiles et les êtres stellaires n'est pas un concept nouveau. Les gens le font depuis des milliers d'années et, depuis des milliers d'années, de plus en plus de gens commencent à comprendre qu'il s'agit d'un phénomène réel. C'est une pratique courante dans de nombreuses cultures anciennes et dans certaines cultures modernes, comme les tribus amérindiennes. Il est même arrivé que des personnes dorment à la belle étoile pour communiquer avec elle. Il semble que la communication avec les étoiles ou les êtres célestes soit une chose que la plupart des gens ont expérimentée au moins une fois dans leur vie. Ils ont vu des lumières brillantes dans le ciel et ont senti leur présence. Ils ont entendu des voix venant de nulle part et se sont demandé s'ils entendaient vraiment quelque chose ou si c'était simplement leur esprit qui leur jouait des tours. La communication avec les êtres célestes peut être positive ou négative selon le type d'entité que vous essayez de contacter et votre ouverture d'esprit pour recevoir son message. Si vous êtes suffisamment ouvert d'esprit, vous n'aurez aucun problème à recevoir vos messages d'en haut.
tous les êtres humains de notre planète, y compris moi, vous et tous les autres lecteurs, vivent une expérience unique. Notre corps est constitué à 67% de poussière d'étoiles. Nous sommes littéralement constitués d'étoiles et d'êtres stellaires. Nous pouvons donc aussi être appelés des êtres stellaires. La nécessité de connaître les autres étoiles et leurs êtres stellaires est très importante pour notre avenir dans cet univers. En apparence, nous, les humains, semblons très différents des autres êtres qui peuplent le cosmos, avec nos corps charnels et nos besoins terrestres. Cependant, peu importe qui nous sommes, où de nous venons, nous sommes tous issus et partageons la même énergie qui nous lie en tant qu'êtres humains. S'il est vrai que nous sommes en fin de compte une simple énergie vibrant à une certaine fréquence et que toutes les fréquences peuvent communiquer entre elles parce qu'elles font partie du même champ d'énergie universelle, alors le fait de nous ouvrir à d'autres fréquences par tous les moyens nécessaires, que ce soit par la méditation ou les voyages interstellaires, nous aidera à mieux comprendre notre univers et à améliorer nos chances de survie ici, sur Terre. Nous n'avons pas encore commencé à découvrir tout ce que les extraterrestres nous ont révélé sur la nature de notre être. Nous connaissons trop peu les étoiles et les êtres stellaires, et notre ignorance est empreinte de superstitions, de peurs, d'agressivité et de préjugés. Ouvrez votre cœur aux étoiles scintillantes du ciel nocturne. Elles vous accompagnent dans votre sommeil. Elles vous révéleront votre potentiel spirituel et vous montreront le chemin des étoiles. Nous devons avoir la foi que la vérité est là, et lorsque nous nous connectons avec les êtres célestes, nous apprenons que l'aspect le plus important de l'évolution n'est pas sur le plan matériel et qu'il est lié à tous les mystères que nous essayons de résoudre. En tant qu'être fini sur une planète finie, nous ne pouvons pas tout apprendre, mais en tant qu'être éternel au potentiel infini, nous ne devrions jamais abandonner. En gardant cela à l'esprit, nous devrions toujours chercher à nous améliorer et à améliorer nos vies afin d'être des candidats qualifiés pour apprendre la vérité, car, à mon avis, dès que vous vous qualifiez en tant que candidat digne d'évolution, tout le reste devient plus facile. Nous vous aimons profondément. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.